Allez, bonjour, c'est Fred, votre coach, pour cette nouvelle série de vidéos du mois de juin. On fait suite à ce qu'on a travaillé avant, la définition, le galbe musculaire. On prépare l'été, là on y est presque en été. On va accentuer ces quelques vidéos du mois de juin sur un ventre plat. Donc on va faire un petit peu plus d'ablo que la normale, du crunch et surtout du gainage pour travailler justement ce ventre plat. Allez, un tout petit échauffement pour rentrer dans le travail. Squat, vite fait, lent, 2 et 2. En bas, en haut, vous reprenez tout ce que vous avez fait avant, tout ce que vous savez faire maintenant. Les talons dans le sol, on descend et on se redresse, c'est tout. Juste pour la mémoire, juste pour la mémoire. En bas, ça c'est le profil, regardez. En bas, à la limite du déséquilibre. Ouais, allez, deux fois. On accélère un tout petit peu, rapide et lent, rapide et lentement, très vite, puisqu'on prépare l'été et puisqu'il fait chaud, la chaleur va arriver, si c'est pas déjà le cas. On inverse, lent, rapide, lent, lent, lent remontée, voilà, parfait. Juste pour finir ce petit échauffement, 8 accélérations, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez, ok, relâchez, secouez un tout petit peu vos jambes, il fait meilleur, on attaque le travail. Allez, je veux un squat un petit peu plus large, squat fente, on reste sur des mouvements classiques, un petit peu de pause en début de mois. Un peu moins de pause, un peu plus de travail, plus on va avancer dans le mois, rappelez-vous. Large, les genoux, pour le fessier, on le sait. Buste, puisqu'on travaille sur les abdos. Buste et abdos serrés. On est bon? Repartez. Deux et deux. En bas, en bas. En haut, en haut. Allez, je veux deux choses. Travail du fessier en poussant les genoux. Travail des abdos en les gardant contractés. En bas, en bas. En haut, en haut. Et... allez, ça y est, on y est dans le travail. La même chose. Ouais, mon rêve, un corps ferme, un ventre plat. Encore? On change? Rapide, élan, bam! Allez. Boum! On cherche l'amplitude pour de meilleurs résultats. Allez, changer. Accélérer. Oui. On y est. On fait monter un tout petit peu le cardio. On fait suite au travail de Clément le mois dernier. Everybody. Allez, encore un peu plus. 8. 7. 6. 5. Allez, 4. 3, 2, freinez tout, lent, 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 repoussé pour une meilleure transmission des forces du bas vers le haut, ça passe par là, freinez encore, 3, 2, pareil, 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 on prend le temps de ressentir son travail. Et on prend le temps de se grandir. Allez, go plus rapide. Ouais. Nickel. Allez, je vous ai parlé un petit peu de squat. Un petit peu de fente. On termine cette première série de squat. Il en reste que 8. 8. 7. Allez, nickel, nickel, nickel. Combien? 4, si vous bien compté. 3, ne trichez pas, moi je les compte. 4, 3, 2... relâchez, secouez. Fente statique, on reste sur du classique. Prenez un petit peu de place. Au début, on a poussé le canapé, comme ça il y a plus de place, plus de longueur pour les mouvements. On est bon? Allez, deux et deux. En bas, en bas. En haut, en haut. Comme si vous êtes posé le genou au sol. Alors on pose pas le genou au sol. On n'abandonne pas le travail. On y reste. Et ouais, quatre fois. Quatre, pareil.
pareil que sur le squat. On se redresse, on serre les abdos pour une bonne transmission des forces. Ça passe par là. C'est ce qu'on veut développer. Petit en bas. Que 8. Que 7. Que 6. 5. 4. Ça va chauffer assez vite normalement avec ce qu'on a fait juste avant. Allez, pour 4. 3. 2. Redresser. Single. 16. Allez. Finissez ce premier travail de fente. Oh, oui que j'aime ce travail de fente. Oh, il nous reste une deuxième jambe à faire. 8. Vous connaissez tout le travail. Vous connaissez tout le positionnement. Il n'y a plus qu'à le garder. 4. 3. 2. Relâchez. Tout secouez votre jambe. Vous la sentez normalement. Je vais parler de placement, vous le connaissez. Devant, derrière, espacé, espacé. Le pointe, le buste, les abdos. 2 et 2. Allez, go. Lent. Lent. Finissez votre travail de cuisse avec ça. Derrière, fessiers et abdos. 4 fois. Si besoin est. Je fais un petit aparté, un petit rappel. 90. 90. Droit. On regarde l'horizon. Ouais. 8 petits en bas, allez. 8. 7. 6. 5. Ça chauffe, on les compte. 4. 3. 2. Finissez, remontez. Allez, go single. 16 au total. Est-ce que vous sentez la progression depuis le tout premier travail, il y a quelques mois en arrière? Est-ce que vous avez mesuré votre progression à vous? Ouais. 8, nickel alors. 7, 6 et 5. 4, 3, 2. Allez, ok, relâchez tout. Si ça chauffe, vous avez quelques étirements, vous avez même une vidéo d'étirement qu'on peut faire à la fin. Là, dans l'immédiat, récupérez votre tapis. On vient traire les fessiers. Je vous demande quand même de garder les abdos serrés. Venez vous allonger sur le côté. Sur le dos. Je mets deux profils. Voilà. Je reste avec vous. Premier travail classique. Le galbe du fessier. Fessier bien rond. Allongé sur le dos. Vous pouvez toucher vos talons avec vos mains. Les genoux, largeur de vos épaules. Toute la pression dans le talon. Verrouillez ce que je vous demande de travailler un peu plus. La sangle abdominale. On monte. Allez, go, single. En haut, en bas. En haut, en bas. Là, ce que je vous demande, c'est de l'amplitude. En haut, en bas. En haut, en bas. C'est la première chose, de l'amplitude. La deuxième chose, c'est de contracter volontairement vos fessiers à la montée. Serrer, relâcher. Serrer et relâcher. Et la dernière chose, c'est de tout pousser dans les talons. 8. Ouais. Bien évidemment, on n'oublie jamais les abdos. Ils sont serrés. D'ailleurs, pour les vérifier, montez, restez bloqué en haut. Stop. Petite question. Talons ok? Fessiers contractés? Est-ce que ça, c'est serré? Ça vous coupe un petit peu la respiration. Et c'est important. Et on y reste. Ouais. Si vous voulez un peu plus de résultats, si vous arrivez à monter un tout petit peu plus haut, allez-y. Ouais, c'est bon. 4, 3, 2, 1, on va descendre. Lentement. Montez. Montez. En bas. En haut. En haut. Et c'est bon ça. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Ici, il fait chaud. Allez, encore. S'il fait vraiment chaud, on arrive sur l'été. N'hésitez pas à faire 10 secondes de pause, à boire une ou deux gorgées et on revient ensemble. Pas de problème. Deuxième série, montez, restez bloqué, petit, 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 petit. Ces petits nous poussent à aller plus loin, aller plus haut, pour plus de résultats, pour plus de galbe musculaire. Rappelez-vous ce qu'on a travaillé avant. Ne changez rien. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, redescendez et repartez en single. En haut, en bas.
En haut, est-ce que vous le sentez un petit peu dans l'arrière-cuisse, dans votre fessier? Et si vous le sentez dans le bas du dos, c'est normal. Ça travaille aussi les lombaires. C'est ça qui est intéressant. Allez, 8, 7, allez, 4, 3, on combine ce qu'on vient de faire juste avant. Restez bloqué. Stop. Oui, on travaille dur. Petit. Oui, on travaille dur pour avoir de bons résultats. Stop. C'est moi qui le dis. Petit. Encore, 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 encore. Stop. Et les petits. Stop, dernière fois. Et les petits. On finit. Redescendez. 16 accélérations. En haut, en bas. Allez. Très vite derrière ça, avant d'attaquer proprement dit le travail de la sangle abdominale, on remettra un exercice de fessier. Et 8, 7, 6, 4, 3, 2, et relâchez tout. Ok, très vite, sur les abdos, un petit exercice de fessier. Un exercice le plus dur pour mesurer votre progression par rapport au tout départ. Assez court, mais assez intense. Donc je veux une bonne posture. Allongé sur le côté. On redresse la poitrine. La main comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise. Normalement là, mais si vous êtes à l'aise ici, ça me va. On ne bouge pas. Les abdos stabilisent la position. Et montez. En haut, en bas. Assez court, assez rapide, mais assez intense. Ce que je veux, c'est qu'on ne bouge jamais. Parce que ça, c'est engagé. Et ça, ça nous tient en place. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça va? Ouais, ça va. On monte, on reste bloqué en haut. Stop. Un coup de talon. Si vous sentez qu'on part vers l'arrière, on se redresse vers l'avant. On est limite à vouloir tomber. C'est pour ça qu'on serre les abdos. 4, 3, 2, 1. Redescendez. Et repartez en single. En haut. Là, ce que je vous demande, c'est un petit peu d'amplitude. Sans jamais bouger. Vérifiez. Ouais. Encore 8. 8. 7. 6. Alors, j'ai dit que c'était assez intense. Hein. Ça arrive. 4. Mais c'est bientôt fini. Parce qu'il vous reste 15 secondes. Pas plus. Pas plus. Finissez avec les petits. Petits. Petit coup de talon. Comme pour dire, ça suffit, ce travail de fessier. Ah, c'est dur. Que 4. Que 3. Que 2. Relâchez tout. La même chose de côté, vous avez terminé votre fessier. Pour aujourd'hui, pas pour le mois. Sur le côté. Prenez le temps de vous mettre en place. Le buste, redressé, on serre les abdos, ça maintient la position. Le talon, on est bon? Allez, les uns dans 4, 3, 2, on y retourne, 5, 6, 7, 8, en haut, en haut. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé parce que vous avez progressé, parce que tout va bien. Mais si jamais c'était dur ou si vous commencez, possibilité de garder la jambe fléchie. Si vous nous suivez depuis un certain temps, j'ai déjà dit, Clément l'a dit, si vous arrivez ici, vous pouvez travailler à votre niveau, d'accord? Restez bloqué. L'essentiel, ici ou ici, c'est que vous le ressentez là. Et ça va. 4, 3, 2, redescendez et ici. Secondes. 10 secondes, vous restez bloqué en haut pour les petits. Petits, petits. Quand ça fait mal, restez fixe, immobile. C'est là que vous progressez. 4, 3, 2, 1. Relâchez tout. Allez, ok.
On attaque la dernière ligne droite du programme, les abdos. Pour un ventre plat, le meilleur exercice, ça restera toujours du gainage. Donc on commence par un petit peu de gainage, un peu de pause, un petit peu de gainage. On accentuera au fil du mois ce travail de gainage. Allez, venez vous mettre. Bah, position plage, on est sur l'été. Position plage. Voilà, je me replace. Position plage, on est bien là. Mais ça va pas durer. Les avant-bras, les pieds ou les genoux. Je préfère les pieds, un meilleur travail. On se redresse. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? On serre les abdos. Et en haut. Et voilà, 30 premières secondes. Et on apprécie. C'est l'été, ça donne envie de danser ça. Oui hein. Allez, ça fait 10 secondes. Ce travail de gainage, les épaules sont vers l'arrière, les fessiers sont en hauteur de vos épaules. Et on serre la sangle abdominale. Si besoin, il n'y a pas de problème. Encore 10 secondes. Et oui, on est bien là. Allez, dans 4, 3, 2, relâchez tout. Je mets une petite pause et je le refais une deuxième fois. Si vous avez l'habitude, vous nous suivez depuis un certain temps, vous pouvez rester en gainage, hein, ça va aussi. Allez, on refait 30 secondes, 3 séries 30 secondes comme ceci. On y va? Maintenant. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, serrez les pieds, moins de surface d'appui au sol. Si c'était dur et que vous avez envie d'un travail intermédiaire entre les genoux et les pieds, ouvrez un peu plus là. À vous de choisir. Allez, on choisit la version dure. Ventre plat, c'est l'objectif. Ouais, ça me motive. Il reste combien? Il reste 10 secondes. 8. Nickel, nickel. Allez, j'y compte. 4, 3, 2, 1. Relâchez tout. Il nous reste une dernière série de 30 secondes comme ceci. Voilà. Je resterai surtout sur du gainage frontal. Je mettrai le gainage latéral un petit peu plus tard. On y retourne. 30 secondes, allez go. Pareil, si vous nous suivez depuis un certain temps, mesurez votre progression sur ce gainage. C'est bon? Ça fait 10 secondes, il en reste 20. Parfait. Ah, le fil. Je vous laisse apprécier la musique ici. Allez, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Ok, relâchez tout. On reste sur ce travail de sangle abdominale. Revenez vous mettre sur le dos. Un petit peu de crunch. Je vous redis, il fait chaud. On boit un petit coup, on n'hésite pas. Et on reprend le travail tous ensemble. Comme le travail du fessier, touchez les talons avec vos mains. Ici, je veux la même pression dans la sangle abdominale que le travail de gainage que vous aviez fait juste avant là. Là, c'est pas relâché. Là, je suis relâché personnellement. Je veux que ça soit serré comme le travail du gainage. C'est serré du départ et ça reste serré pendant la série de crunch. Les mains aux tempes. Lentement. On monte, on monte, on redescend. Les abdos sont serrés là, sont serrés là. Si je relâche, ça fait ça. Vous voyez, ça bouge. Je serre, et là, ça bouge. Non. Pour un meilleur travail, pour protéger le dos, en permanence contracté. Voilà. Encore. Allez, vous m'en donnez 4 comme ceci. 4. 3. 2. Ça, c'est pour me voir. On change le rythme. Rapide. Lent. Stop. Et on maîtrise la descente. Ouais. Stop. Combien? 4 fois. Stop. Les coudes sont toujours ouverts. On va chercher loin vers l'avant. Maintenant, je vous demande d'inverser ce rythme. Lent, rapide. Lent, lent, lent. On redescend. Lent,
lent redescend. Vous devez sentir à ce niveau-là votre sangle abdominale se contracter et chauffer. 4. 3. 2. Je vous demande d'accélérer sans relâcher. Allez, go. Hop. 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 Cette chanson. Petite dédicace à Eric, si tu nous regardes. C'est pour toi. Rappelle-toi. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et là, normalement, ça fait du bien de tout relâcher à ce moment-là. C'est décontracté jusqu'ici. Ah, nickel. J'étais sur la partie un peu plus supérieure. Je vous demande la même chose, la partie un peu plus inférieure de la sangle abdominale. Donc l'inverse, les genoux, vers les épaules. Par contre, c'est pareil. Toujours contracté. Au choix, comme vous êtes à l'aise, les lombaires sont écrasés dans le sol parce que c'est serré. On décolle les genoux, les talons, pardon, on enroule. Montez, montez et déroulez. Vous me relâchez toujours les tibias. Ça non, là ce sont juste vos jambes qui vous entraînent vers l'arrière. Ça oui. Allez, allez encore. 4. 3. 2. Allez, pour bien le ressentir. Rapide et on freine. Stop. Et on maîtrise la descente. Sans jamais relâcher cette pression. Et ça chauffe normalement. Tout de suite, je vous propose d'inverser. Lent, 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 rapide. Lent, lent, lent. Essayez. C'est 3 secondes là. 1, 2, 3. On finit. Un tout petit peu plus rapide. Allez, go. Un peu plus de dynamisme. Hop. 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 Allez, 4, 3, 2. Relâchez tout. Et là aussi, on relâche. Ça fait du bien. Dernière. Non, avant-dernière ligne droite pour la sangle abdominale. Un tout petit peu d'oblique. Je vais mettre en diagonale pour mieux vous voir. Pour mieux vous surveiller aussi. Voilà. Ici, droite et gauche. Et une petite surprise à la fin. Les mains, ça c'est pour voir. D'un côté et de l'autre. On resserre. Lentement. Allez, go. Montez, montez. En bas, de l'autre côté. Hop. Ouais. Ça donne ça, hein. Montez. T. Montez, montez, encore. Ah, ouais, j'ai envie de chanter. Je le fais pas, hein. Il fait beau. Je le fais pas parce qu'autrement, non. Il va pleuvoir. J'ai déjà testé. 4 fois. 4. Oui. 3. 2. On va faire comme la musique. On va accélérer. 4. 3. 2. Allez, single. Hop. 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 Allez. Hop. Loin sur le côté. Dans votre esprit, c'est l'épaule qui monte vers le genou. Petit, ici, restez. Petit. Petit. Pas le coude. Ça, c'est assez facile. L'épaule qui monte vers le genou pour avoir une meilleure contraction ici. 4. 3. 2. Changez de côté. Hop. 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 Ça va toujours ? Ouais. On finit ce travail d'oblique. Redescendez et finissez en single. Côté. Côté. Bon, il y a quelques instants, je vais parler d'une petite surprise. On a commencé le travail de sangle abdominale par 30 secondes. Puis je vous ai demandé de vérifier, de mesurer votre progression depuis un certain temps. Et mesurer votre progression ici avec la fatigue musculaire. Est-ce qu'on peut tenir 30 secondes de plus? Oui. Oui. Bah 4, 3, 2. Et bah alors oui alors. Hop. 30 dernières secondes. Et vous avez fini. Je me réaligne pour mieux vous voir. 30 dernières secondes. Vous avez terminé. Une belle posture. Un ventre fort. Un ventre plat. On travaille le transverse ici. C'est lui qui fait le ventre plat.
Donc beaucoup de gainage, c'est très important. Et d'ailleurs, ce mois de juin, on fera du gainage latéral aussi. 10 secondes. Pam, 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 pam. Allez, exactement. 4, 3, 2, 1. Relâchez tout. Allez, c'était très bien. La chaleur est arrivée. Là, là, là. Mais c'était très bien. Bon travail. Première vidéo, ok. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce ventre plat. En attendant, faites, refaites. Mettez le pouce, publiez, faites vivre la chaîne. Profitez. Bon travail et à la semaine prochaine. Bravo.